Je pense qu'il est très important de se battre pour les droits des enseignants. Pour quelles raisons? Je pense que la première raison, c'est quand même le fait que dans plusieurs pays européens, il y a une absence, voire une fragilisation du dialogue social avec les organisations syndicales enseignantes. Ce qui fait que les syndicats enseignants n'ont pas la capacité d'avoir une influence, évidemment positive, sur les politiques éducatives mises en œuvre par les gouvernements nationaux. Et c'est d'autant plus important que nous vivons depuis le printemps dernier dans ce qu'on appelle la crise du Covid-19, qui a un impact évidemment sur les élèves, les étudiants, mais bien sûr sur tous les personnels qui interviennent dans le secteur de l'éducation et de la formation. Premier sujet, c'est de toute évidence la question du financement public de l'éducation. Il est quand même assez contradictoire de voir que depuis que nous avons la crise sanitaire, beaucoup de gouvernements nationaux célèbrent le rôle des enseignants pendant la crise, mais en même temps ne prennent pas les mesures politiques et notamment les mesures financières pour augmenter les budgets de l'enseignement public. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dirais que c'est quand même la question de la numérisation en éducation, plus particulièrement l'utilisation d'outils technologiques, le recours à un enseignement à distance qui s'est développé au cours des derniers mois. Et le troisième point, c'est globalement, mais ça n'est pas nouveau, mais je pense que c'est amplifié du fait du contexte sanitaire qui est aussi qui engendre des difficultés économiques et sociales. C'est la question de l'attractivité de la profession enseignante partout en Europe. Ça n'est pas un thème nouveau, mais il est toujours à l'ordre du jour et on voit bien que si rien n'est fait pour attirer davantage de jeunes dans les métiers de l'enseignement et de l'éducation, l'Europe ne pourra pas relever les défis en termes éducatifs, les défis qu'elle a à relever dans les années qui viennent.